Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de Venez près de moi, un célèbre boléro du compositeur cubain Osvaldo Fares en 1941 sur des paroles et une adaptation de Jacques Larue en 1946. Alors, il s'agit naturellement de la version française de Hacer que te mas, que vous trouverez aussi sur ma chaîne, bien entendu, comme une version anglo-saxonne sous le titre Come Closer to Me. Alors, si vous avez envie d'ajouter, fiancer les paroles, eh bien, je me suis attaché, comme d'habitude, à ce que cela soit tout à fait compatible. Et comme ce sont des chansons dont le texte est assez court, c'est peut-être une très bonne idée. D'autant que vous pourrez comparer les tutoriels, parce que parfois j'explique mieux ou moins bien, c'est au choix, naturellement. Mais comme je vous parle spontanément, comme si vous étiez à côté de moi, là, voilà, je préfère de loin cette option naturelle. Alors, j'ai modifié la tonalité originale de Fa majeur, non pas parce que c'est une tonalité difficile, non, non, mais tout simplement parce que c'est trop haut pour moi. Alors aussi, ai-je choisi de vous la proposer en Do majeur, voilà, et ce sera encore plus facile pour vous, bien sûr, tout en évitant d'avoir recours à la fameuse clé de transposition interne de nos pianos numériques, car c'est toujours une affaire de meilleur compromis. Voilà. Alors néanmoins, vous l'aurez compris, je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin. Naturellement, c'est l'état 0, symbolisé par les deux lettres KT qui transposent en anglo-saxon, mais c'est qu'il n'y a rien à modifier, comme aujourd'hui par exemple, c'est KT0 qui transpose 0. Alors bien entendu, rien ne vous empêche d'augmenter ou de diminuer la transposition interne de ce clavier, hein. Si cette tonalité n'est pas ajustée à votre voix, c'est une affaire de confort vocal. C'est peut-être de manière digitale sur votre piano, que sais-je. Vous ouvrez le manuel, si vous ne savez pas où ça se trouve, à la rubrique transpose, transposition. Ça vous sera indiqué. Ici, c'est de manière semi-mécanique, vous voyez. Il y a simplement une petite manipulation à faire. Vous avez ici un repère vert qui est la position neutre centrale. Nous avons par demi-ton, 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-tons, jusqu'à ce repère vert pour descendre de manière plus grave par demi-ton. Et bien entendu, 6 demi-tons jusqu'à ce repère vert pour l'augmenter par demi-ton de manière plus aiguë. Donc c'est extrêmement confortable. Voilà. Donc quand on est à zéro, vous pouvez jouer sur un piano acoustique, entre guillemets, et vous serez toujours en rapport avec ma voix, bien entendu. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, hein. C'est vraiment une disposition du progrès dont on peut se louer, hein. Voilà. Donc, vous trouverez aussi dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble, comme d'habitude, de la chanson pour vous aider à la compréhension générale. Alors, je parle toujours dans les gammes, bien entendu, en degrés et de manière naturelle. Voilà. Donc, venez près de moi. On va commencer par un Do majeur septième. Alors, on va avoir plusieurs options. D'abord, je vais séparer, comme je le fais à l'ordinaire, pour mes amis très débutants, vous allez pouvoir la chanter en ballade. Simplement plaquer les accords et perpétuer comme on va le faire ensemble. Ça va être extrêmement simple. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on pourra penser au boléro, c'est-à-dire une basso ostinato, une sorte de bossa nova latine. Donc, venez près de moi, tchac, con, 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 mon cœur. Ce soir, tcha tcha tcha, voyez-vous, donc ça, on verra ça pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans une deuxième partie, n'est-ce pas? Donc là, on va pouvoir simplement la jouer ensemble, la manière la plus simple du monde. Comme tout ce que je vous présente, je vous fais des options, hein, des plusieurs offres, hein. De la même manière qu'on va regarder si on va faire une offre très très simple, plaquée, et puis de temps en temps, parsemée d'un peu de mélodie pour donner un peu de vie à la chanson. Alors, donc d'abord, on la fait ultra simple. Donc, Do majeur septième. Venez près de moi. Donc, Sol bémol. Non, Sol. La. Sol bémol. Sol. Et notre note de chant, c'est Si. Venez près de moi. Alors, Do majeur septième. J'en profite pour vous donner toujours cette astuce. C'est un peu itératif pour ceux qui suivent assidûment ma chaîne. Mais c'est important parce que si vous venez que pour cette chanson, ça vous donnera une instruction harmonique de base extraordinairement très très simple pour faire la différence entre la majeure septième et la septième. Donc regardez bien en gamme de Do, puisque nous sommes en gamme de Do, il n'y a pas la gamme la plus simple avec des blanches. Je parle toujours en degrés bien sûr, hein, 2, 3e, 4e, 5e, 6e, majeure septième et octave. Alors, un demi-ton en dessous de la note fondamentale, tonale, tonique, do, vous en avez partout. Hein. Vous trouverez toujours la majeure septième. Et un demi-ton en dessous, la septième. Alors pourquoi?
parce que fondamentale, tonale tonique, tierce majeure, quinte majeure. Regardez bien, de manière simplifiée, c'est une tierce 1, 2, 3 demi-tons au-dessus de la quinte majeure qui est juste. C'est une tierce mineure dominante, 3 demi-tons. Et 4 demi-tons, c'est une tierce majeure, donc dite majeure septième. Mineure septième, tout simplement Do septième. Do majeur septième. C'est une tierce mineure dominante, n'est-ce pas? La dominante. Donc Do majeur septième. Donc cette astuce, bien sûr, vous voyez en Ré par exemple, dans la gamme, fondamentale, tierce majeure, quinte, majeur septième, Ré majeur septième, un demi-ton en dessous de Ré, et un demi-ton en dessous de cette majeure septième qui est Do dièse, et bien Do, Ré septième. Si maintenant votre tierce elle est mineure, ça devient Ré mineur septième, dont on va se servir précisément dans cette harmonie, dans cette chanson. On s'en sert très souvent, bien sûr. Donc voilà ce petit dispositif, cette astuce, si je puis dire, délivrée, comme je le fais toujours dans tous mes tutoriels, est très importante parce que je regarde parfois des très bons tutoriels, des garçons qui font des choses remarquables, mais ils ne le disent jamais et ça crée une confusion, bien entendu. Donc majeur septième, septième, un demi-ton. Do septième, Do majeur septième, voilà. Donc, venez près de moi, Do majeur septième. Alors là, vous jouez seulement à une note, ou vous pouvez la doubler, on voit mal à la caméra, mais c'est-à-dire une octave plus bas, ou alors simplement une note, comme vous voulez, hein, si c'est suffisamment assez grave pour vous. Ça, ce sont des options, hein. L'essentiel, c'est de jouer la fondamentale à la main gauche, Do. Donc, venez près de moi. Alors ensuite, La Do, mon cœur. On va monter d'un ton, voyez-vous. Mais on va atterrir sur, non pas en mode majeur, mais en mode mineur, Ré mineur. Donc, Ré mineur septième. Septième, précisément, on va en parler. On vient de l'avoir à l'instant. Gamme de Ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième. Octave, fondamentale, tierce majeure, tierce mineure, pardon. Ah, si je dis des bêtises, quinte. Et la septième, voilà. Ré mineur septième. Alors, mon cœur, ce soir, je poursuis, Mi mineur septième, gamme de Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, toujours dans son mode naturel, hein, voilà, en degré, hein. Donc fondamentale, tierce mineure, vous voyez, donc 1, 2, 3, demi-ton au-dessus de la fondamentale, quinte majeure, et la septième, donc c'est extrêmement simple, hein. Ça nous procure un petit décalage, Do majeur septième, Ré mineur septième, Mi mineur septième. Alors, vous l'agrémentez de la mélodie à l'intérieur ou pas, hein, c'est-à-dire comme ceci. Hein. Venez près de moi, mon cœur, ce soir. Ou alors, venez près de moi, mon cœur. Voilà, c'est la mélodie, c'est votre voix qui l'a fait. Hein. Ce soir. Alors, on va, et sur cette harmonie particulièrement, sur le sol septième, si c'est confortable pour vous, vous allez jouer juste sol septième, vous allez vous contenter de faire ça. A besoin de vous. Et on va résoudre sur Do majeur, 7 neuvième, que l'on va voir. Mais d'abord, A besoin. Donc sol septième, gamme de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, octave. Voilà. Donc fondamental, tierce majeure, quinte majeure et septième. Donc sol, si, ré et fa. Besoin de vous. Alors, vous allez pouvoir, ou alors, jouer un peu la mélodie à l'intérieur, c'est-à-dire A, avec la quinte diminuée, A, B, avec le Ré, Zoin, le Fa, la sixième avec le Mi, de, et on résout avec Do majeur 7, 9e. Donc vous avez au choix, soit vous restez comme ceci, A besoin de vous, ou alors A besoin de vous. Donc je reprends, quinte diminuée, quinte, septième, sixte, sixième, et hop. Donc ça nous fait tout simplement avec la troisième note, donc on ne bouge pas le sol et le si, la fondamentale et la tierce majeure, la quinte diminuée, Ré bémol, Fa, Mi, Ré bémol, Ré, pardon, Fa, Mi, et on atterrit sur Do majeur 7 neuvième. Alors on va la voir, cette. Donc vous choisissez, hein. Vous voyez là c'est beaucoup plus tranquille, de vous, et notre
notre note de chant est là sur le sol. Alors, Do majeur 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va garder la 9e. Vous allez me dire, oui, mais c'était aussi, vous avez dit 2e. 1, 2. Oui, mais comme c'est une extension, eh bien, on parle de 9e. Donc, on garde la 9e, fondamentale, tierce majeure, quinte et majeur 7e. On va garder la majeure 7e, la 9e. La tierce majeure, on va la renverser. La quinte, on la renverse. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La fondamentale, que l'on joue à la main gauche. Voilà. Donc, c'est tout simple. Do majeur 7e, voyez-vous. Et la seule chose que l'on ait fait, ben, c'est substituer la fondamentale pour la 9e. Voilà. Ça, voilà. Dans ce renversement-là. Sinon, c'eût été comme ceci. N'est-ce pas? Le renversement de Do majeur 7e. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et là, on va substituer, on va mettre la 9e à la place. Donc, Si, Ré, Mi et Sol. Allez, je reprends tout doucement au ralenti. Venez près de moi. Do majeur 7e. Mon cœur, Ré mineur 7e. Ce soir, Ré mineur 7. Alors, Sol 7e, si vous voulez. A besoin de vous. Do majeur 7e, 9e. Là, vous faites un arrêt ou pas. C'est-à-dire que c'est une option aussi encore. Hein. Pour passer sur la deuxième ligne, qui sera exactement les mêmes harmonies. Hein. Ce sera exactement une redite, mais avec des paroles différentes. Donc vous pouvez continuer. Venez dans mes bras, n'est-ce pas? Vous y serez. Tout comme chez vous. Et là, on fera un arrêt pour la troisième ligne. Pourquoi? Parce qu'on va atterrir sur un pont. Voilà. Donc... Je reprends tout doucement depuis le début. Venez près de moi. Au plus simple. Hein. Mon cœur, Ré mineur 7e. Ce soir, Mi mineur 7e. Sol 7e, si vous voulez. A besoin de vous. Do majeur 7e, 9. Ensuite, deuxième ligne. Venez dans mes bras. Donc, venez dans mes bras. Do majeur 7e. Vous y, Ré mineur 7e. Mi mineur 7e, Ce, Ré. Sol 7e, tout comme chez vous, Do majeur 7e, 9. Hein? Voilà. Donc maintenant, voyons ces deux phrases avec un peu la mélodie à l'intérieur, hein? Donc un tout petit peu plus avancé. Venez près de moi, mon cœur, ce soir, a besoin de vous. 3, 4, et là. Venez dans mes bras, vous y serez, tout comme chez vous. Et voilà. Alors maintenant, on va passer au pont. Donc si dans la nature, Fa majeur 7e. Alors, Do, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, n'est-ce pas? Si dans la nature... De la même manière, vous chantez avec la mélodie ou pas, hein, n'est-ce pas? Si dans la nature, voilà, vous jouez Fa majeur 7e, hein, voilà. Donc, gamme de Fa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e octave, toujours en degré naturel, hein, gamme nature. Hein. Donc, fondamentale, tierce majeure, quinte majeure et la majeure 7e. Pour corroborer mes propos d'histoire de majeure 7e, vous voyez qu'on a la fondamentale ici, tonale, tonique, un demi-ton en dessous, eh bien, on a bien la majeure 7e et non pas la 7e, n'est-ce pas? Donc Fa, ça nous fait La, ça nous fait Do, ça nous fait Mi, voilà. Donc si dans la nature, alors là, la septième, mais vous pouvez vous offrir une fantaisie aussi, Fa, Sol, La, si vous voulez, voilà. C'est par exemple comme ceci, si dans la nature, bam, bam, bam. Sinon vous allez boum directement sur la septième. Gamme de La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, 7e octave. Fondamentale, tierce majeure, quinte et 7e. Donc ça nous fait La, Ré bémol, Mi et Sol. Chante l'aventure. Voilà. Alors, si dans la nature. Si dans la nature. Chante l'aventure. Ré mineur 7e. Alors, on verra après comment.
peut faire encore une petite augmentation, une amélioration très légère, bien sûr modeste. Hein. Donc ré mineur septième renversé. Donc on a le fondamental, on a la tierce mineure que l'on connaît, on a le la, on a le do. On garde la quinte et la fondamentale, la tierce mineure on la renverse, et la fondamentale pardon on la renverse, et la tierce mineure, le fa on la renverse. Ça nous fait la, do, ré, fa. Alors que l'on va pouvoir maintenant améliorer avec une petite descente chromatique à l'intérieur. Car voyez-vous, on pourrait très bien 1, 2, 3 le faire d'ici, au milieu, cette descente chromatique, ou à l'écarter. Donc outside, comme ceci, milieu, ou à gauche. Et ça, on arrive sur Ré mineur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Donc c'est comme vous voulez, soit vous restez sur Ré mineur et à ce moment-là 7, soit vous descendez la majeure septième, soit vous descendez la septième et vous résolvez avec la sixte, la sixième, n'est-ce pas? Bam, 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 il n'y a rien d'extravagant. Hein, petite descente chromatique, comme l'on dit, voilà, n'est-ce pas? Donc c'est comme on vous semble. Hein. Donc je reprends tout doucement avec les améliorations. Hein. Si dans la nature, bam, bam, chante l'aventure. Donc si vous voulez vous amuser à faire la mélodie, chante l'aventure. Donc la la si do dièse mi ré. Et là on atterrit bien entendu sur le ré mineur septième. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Pourquoi résister? On est bien en ré, voilà. C'est-à-dire on passe du mode mineur au mode majeur. Pourquoi résister? Ré, ré, mi, ré, la. C'est ça? Donc là, on passe au mode, du mode majeur. Donc, mode majeur, regardez, il nous suffit tout simplement de monter le fa, puisqu'on a la fondamentale ici, tierce mineure, et on monte de 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4. Voilà, on rend la tierce majeure. Et bien là, ensuite, je vais vous proposer, pour donner un peu de vie, parce qu'on va rester plusieurs temps dessus, donc ça va être de renverser tout simplement le fa dièse en bas, et ensuite de renverser la fondamentale, c'est-à-dire dans l'autre sens, ça nous ferait ceci. Voyez-vous? Si on continuait perpétuel sur le clavier, on rend plus aigu. C'est un simple renversement. Hein. Donc nous avons la, do, ré et fa dièse. Évidemment, il s'agit tout simplement de retrouver les mêmes notes. Voilà. Donc je reprends tout doucement. Si dans la nature, fa majeur septième. Sol est là, la septième, chante l'aventure, ré mineur septième, 2, 3, 4, pourquoi résister, ré septième, sans attendre l'été, sur l'été faites un premier renversement, ou pas, hein, sinon vous restez là ou là, vous jouez le renversement qui vous intéresse, tâchons, ré septième, toujours, de limiter, ré, sol, quarte septième, et on va résoudre avec, puisqu'on dit que la quarte est suspendue. Suspendue à quoi? Une résolution avec une tierce, soit mineure, soit majeure. Là, en l'occurrence, évidemment, toute évidence, c'est une tierce majeure. Voilà. Vous voyez, 4 demi-tons et non pas 3 demi-tons. Donc, le sol, donc 1, 2, 3, 4e degré, le 5e degré, le 7e, la 7e, hein, bien sûr, hein, très important, pas majeur, 7e, la 7e avec le fa. Donc, sol, do, ré, fa, et que l'on va résoudre avec du do sur le si. N'est-ce pas? Bien, alors voyons déjà tout simple, sans amélioration, au plus nature, au plus simple, comme promis. Hein. Si dans la nature, fa majeur septième, voilà, sans fioriture, chante la septième, chante l'aventure, ré mineur septième, pourquoi résister? Passer en mode majeur, hein, juste avec le fa dièse, sans attendre l'été, tâchons de limiter. Comme ça, vous êtes toujours en place, voyez-vous, pour être sur sol, quarte, 7, sans le 7e. De limiter. Alors maintenant, revoyons les ponts, le pont, pas les, le pont, légèrement amélioré. Si dans la nature. Maintenant, après, vous prenez dans ces améliorations-là. Prenez ce que bon vous semble, hein. Moi elle me semble extrêmement simple. Hein. 1, 2, 3, chante l'aventure, 1, 2, 3, 4,
résister sans attendre l'été. Tâchons de l'imiter. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous fais le premier couplet, le tout sans amélioration. Voilà, premier couplet et couplet-refrain, et on n'en a que deux. Donc, je vous le fais sans amélioration, et ensuite, je vous le fais avec les améliorations. Et puis après, le deuxième, comme ça, je vous le ferai, comme le texte change, avec les améliorations. Et vous, bon, on va voir. Allez. Venez près de moi, on n'est pas à l'usine, hein, voilà. Mon cœur, mi mineur septième. Ce soir, mi mineur septième. Sol septième. A besoin de vous. Do majeur septième neuf. Venez dans mes bras. Do majeur septième. Ré mineur septième. Vous y serez. Mi mineur septième. Sol septième. Tout comme chez vous. Do majeur septième neuf. Si dans la nature, Ré majeur septième, La septième, chante l'aventure, Ré mineur septième. Pourquoi résister sans attendre l'été? Tâchons de l'imiter. Sol quarte septième, Sol septième. Maintenant, on le refait amélioré, si je puis dire, enfin légèrement plus avec un peu de mélodie à l'intérieur. Venez près de moi, Do majeur septième, mon cœur, ce soir, mi mineur septième, a besoin de vous. Venez dans mes bras, vous y serez, tout comme chez vous. Si dans la nature, chante l'aventure, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi résister sans attendre l'été? Tâchons de l'imiter. Allez, deuxième couplet, refrain. Laissez frissonner. Do majeur septième. Chérie, Ré mineur septième. Aux mains, Mi mineur septième. Et Sol quinte augmenté. Sous les baisers fous. Au serment donné, Do majeur septième, jusqu'à Do ré mineur septième, demain Mi mineur septième, Sol quinte augmenté, abandonnez-vous. Et qui sait, peut-être le pont, La majeur septième, bon, bon, La septième, quand le jour va naître, Ré mineur, bleu, blotti près de moi. Votre amour plus jamais ne quittera mes bras. Alors là, vous pouvez, plusieurs options, bien sûr, hein, pour terminer. Venez près de moi. Vous pouvez terminer comme ceci, sur la note Do, qui est la note de chant, ou alors majeur septième. Venez près de moi. D'accord ? Ou alors, ce que je vous ai proposé, très simple, venez près de moi, La bémol septième, donc gamme de La bémol, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième, La bémol, Do, Mi bémol et Sol bémol. Donc, venez près de moi, Do. Ensuite, on descend tout d'un demi-ton, moi. Vous voyez, d'ici, on descend sur de La bémol septième sur Sol septième. Vous voyez, regardez, du La bémol, je descends à la main gauche le Sol, et ici, La bémol, je descends sur Sol, le Do sur le Si, le Mi bémol sur le Ré, le Fa dièse sur le Fa, et, bien entendu, et on résout par le Do. Ou alors, vous pouvez faire Do majeur septième. Voilà, comme ceci, par exemple. Donc, venez près de moi. Majeur ou la majeure septième, hein, sur la fondamentale, la majeure septième, comme on vous semble. C'est des options. Ou alors, lorsque vous y étiez, votre amour plus jamais ne quittera mes bras. Là, vous repartez au début. Venez près de moi, mon cœur, ce soir.
Ou alors, bien sûr, vous chantez comme Closer to Me, ou alors Acércate más. Voilà, vous avez les tutoriels, vous prenez les paroles, vous suivez les indications, vous verrez, c'est exactement la même chose. Voilà, mais ça vous permettrait de mélanger. Puis si je crois qu'il existe une version finnoise, si vous parlez finnois, enfin, quelle que soit la langue, si vous la trouvez, entre guillemets, ben, vous pourrez l'adapter très facilement. Bien. Donc, peut-être que je pense que je vous ai tout montré en matière de simplicité, hein, pour faire une balade. Donc, vous voyez, pas mon cœur ce soir. Par exemple, seul septième a besoin de vous. Si vous décidez de pas faire la mélodie, vous chantez seulement. Si dans la nature, la septième chante l'aventure, ré mineur septième, pourquoi résister? Si vous voulez jouer là ou là, hein, sans attendre l'été, tâchant de l'imiter. Voilà, bam 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 bam, voilà, vous voyez? Ou alors vous voulez jouer plaqué ou à l'unité, comme vous voulez. Vous cherchez ce qui vous sied le mieux, hein, ce que vous préférez. Voilà mes amis. Donc je pense que maintenant on va pouvoir passer au boléro, donc au petit rythme latin. Donc ce qui nous fera une bonne révision pour les harmonies. Alors je vais vous montrer comment on articule. On commence par venez près de moi. Rien ne change bien sûr en la matière. Hein. C'est toujours les mêmes harmonies, c'est ce à quoi je m'attache. Mais le do fondamental, ici en l'occurrence, chaque fois, on va jouer la fondamentale tonale tonique et on va jouer sa quinte et on va renverser sa quinte. Donc ici, où est la quinte de do? 1, 2, 3, 4, 5, que ce soit en mode majeur ou en mode mineur. Si nous eussions été en mineur, eh bien ça n'aurait rien changé. La quinte eût été la même. Mais on est en mode majeur. C'est la quinte qu'on va renverser. Je garde toujours la fondamentale en place et je renverse la quinte, c'est-à-dire le sol en l'occurrence. Donc, j'articule d'abord le premier rythme pour vous montrer. Comme vous avez une belle vue du dessus, je vous enlève l'annulaire et le majeur. Comme ça, il vous reste l'auriculaire et l'index. Avec seulement deux notes, on va pouvoir articuler le boléro, la bossa. D'accord? Allez, venez près de moi. Voyez, pap, pap, pap. Sol comme prévu. Hein. Alors ce que je vous propose, c'est que comme on est là tranquille, hein, eh bien, on va poursuivre toute la chanson ensemble, ce qui va vous éviter de chercher où se trouve la quinte à chaque fois, n'est-ce pas? En mode majeur ou mineur, c'est exactement la même chose. Hein. Donc, allez. Et on va rester, bien sûr, hein, parce que c'est un tutoriel, donc on va rester longtemps sur les mesures, et ça nous fait une bonne révision, en outre, pour les harmonies. Hein. Ré mineur septième, donc Ré est là, hein, ce soir. Mi mineur septième, donc mi mineur septième, on voit très bien de quoi il s'agit, hein, avec le mi et le si. Hein. Alors là, imaginons qu'on le joue seulement, on va revenir dessus, hein, sur le sol septième, sol et ré, a besoin de vous, do. Ben, on est revenu donc sur do et sol, hein. Pam, 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 si vous faites un stop. Maintenant, on va revenir sur a besoin de vous. Voilà, vous articulez toujours votre basse, mais effectivement, avec la basse, c'est peut-être un peu plus difficile. Venez près de moi, pam, 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 mon cœur, pam, pam, ce soir, a besoin de vous, pam, pam, pam. Bon, c'est vrai que c'est un petit passage, pam, a besoin de vous. Si c'est trop difficile, bah vous restez tout simplement a besoin de vous. Le temps de vous entraîner à pam, 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 être plus indépendant des mains, peut-être. Voilà. Comme ça, il faut y aller pas à pas, hein, tout doucement. Hein. Bah oui, ensuite, hein, deuxième ligne. Venez dans mes bras. Donc, pap, ça, rien ne change puisque les harmonies sont les mêmes. Hein. Do et sol. Hein. Ré mineur septième, donc Ré est là, hein. Ce Ré mi mineur septième, mi et si, hein. Là pareil, hein. Tout comme chez vous, pam, le stop,
l'arrêt, hein, donc si dans la nature, pam, chac, fa majeur septième. Alors fa et do, hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, mode majeur, hein, voilà, ça revient, et mou mineur, hein, ça revient exactement au même. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc fa et do, voilà. Dans la nature, alors là vous pouvez pom 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 si vous allez assez vite, ou alors pam pam pam. Alors là vous faites votre la septième, hein. Donc là avec mi. Donc je reprends, si dans la nature, fa majeur septième, donc avec fa et do, la septième, chante l'aventure, ré et la, pam 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 pam. Vous avez plusieurs manières de l'articuler, hein, soit pam 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 pam, ou alors pam pam pam. Qui donne un petit côté un petit peu plus cubain, voilà. De toute façon, c'est très, très sud-américain. Hein. Alors, donc je reprends. Si dans l'aventure, dans la nature, pardon, chante l'aventure, 1, 2, 3, 4. Et là, pourquoi résister? Vous voyez, on passe du mode mineur en majeur, on change pas notre basse, alors toujours ré là. Hein. Sans attendre l'été, voilà, je fais même, on se fait notre petit renversement. Tâchons de limiter, sol, quarte, septième, c'est sol et ré. D'accord? Deuxième couplet. Laissez frissonner, pap, pap, pam, do majeur septième. Donc do et sol, pareil. Hein. Ré mineur septième, ré là, hein. Aux mains, mi mineur septième, mi et si, hein. Soit sol septième, sous les baisers fous, ou alors, sous les baisers fous, au choix, hein. Au serment donné, do majeur septième, jusqu'à ré mineur septième, demain, mi mineur septième, abandonnez-vous, ou alors, abandonnez-vous. Allez, le pont. Et qui sait peut-être. Pam, pam, majeur septième. Pam, pam, la septième. Quand le jour va naître. 1, 2, 3, 4. Blotti, blotti, près de moi. Ou alors vous restez tout simplement sur le ré mineur. Hein. Blotti, près de moi. Votre amour, plus jamais. Ou alors ici, ou alors là, me quittera mes bras. Cette histoire, voyez-vous cette histoire? C'est l'histoire de casser la monotonie parce qu'on reste plusieurs temps. Voilà, voyez. Mais sinon, blotti près de moi, votre amour plus jamais ne quittera mes bras. Et là, venez près de moi. Non, c'est pas ça. Venez près de moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, comment dirais-je? Donc, si vous voulez, je vous le refais entièrement. Le deuxième couplet, juste au plus simple. Hein. Laissez frissonner. Do majeur septième. Chérie, ré mineur septième. Aux mains. Mi mineur septième, sol septième, sous les baisers fous, do majeur septième, neuf, au serment donné, do majeur septième, ré mineur septième jusqu'à mi mineur septième, demain, sol septième, abandonnez-vous, do majeur septième, neuf, pam, et qui sait peut-être, fa majeur septième, la septième. Quand le jour va naître, ré mineur septième, blotti près de moi. Par exemple, vous voyez, au lieu de jouer ici, là, je vous le fais en mode fondamental, voyez-vous. Votre amour plus jamais ne quittera mes bras. Voilà, c'est au choix. Venez près de moi. Par exemple, hein, voilà. Donc je pense
pense que vous avez tous les outils, mes amis, hein, pour pouvoir réaliser une super chanson. Donc, n'hésitez pas à consulter, donc vous dis-je, les deux autres tutoriels, parce que franchement, comme Closer to Me et Acercatemas, parce que franchement, j'allais dire peut-être que j'explique mieux ici, ou moins bien d'ailleurs, je ne sais pas. je vous parle spontanément, comme je vous dis. Et puis en revanche, merci, je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, si vous avez la curiosité d'explorer le contenu de ma chaîne, vous découvrez ma grande playlist latine, dans celle-ci, naturellement, cette chanson est incluse, bien entendu, hein. Vous découvrez également ma passion pour Carlos Tom Jobim, pour lequel j'ai consacré une grande playlist aussi. Et puis, mon grand amour pour Michel Legrand, bien entendu, pour lequel je me suis efforcé de mettre à le plus possible à la portée de tous, des tutoriels les plus simples possibles. Voilà. Donc, mais vous comprenez bien que compte tenu du spectre de la voix, qui est ontologique à tout un chacun, je ne peux pas chanter tout. Alors, surtout, si, je peux, mais avec des tonalités, par exemple, fa dièse, très difficile. Ce n'est pas le credo. L'intérêt, c'est de vous proposer des tonalités supra faciles, accessibles aux débutants, comme ceci, voilà, facile à retenir. Donc, pour ceci, j'ai recours parfois à la clé de transposition. Mais parfois, pour Michel Legrand, on n'a rien à gagner. Je joue comme c'est écrit, voilà, mais le plus simplifié possible. Car même ça, je simplifie tout pour vous, voilà. Enfin, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit en même temps très agréable. Moi, j'adore chanter ça, hein. À chaque fois, après, je remets les textes et puis je les aligne, mais là, je les ai pas sous les yeux. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité, votre attention et puis votre passion, comme moi, parce que vous savez très bien que tout réside en un seul mot, ce n'est que du plaisir. Voilà. Donc, merci et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, bien sûr. Au revoir.